Good morning, allez, Yiden et Letus sera aujourd'hui le Lonishmat Avram Chayin Orber Ben Fortune Mazal, Yedida Batester. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Tmura, Perik Vav, Mishnah Gimel. Eize hu mechir kelev, aomer la chavero, helecha taleze, tachat kelev ze. Vechen shne shutafim shechalku, echad natal asara, vechad natal tisha ve kelev. Shekeneged a kelev asurim, sheima kelev mutarim. Etnan kelev ou mechir zona, are elu mutarim, sheneemar, shenaim, velo arbaa. Vladoteem, mutarin, sheneemar, hen, velo, vladoteem. On continue à parler dans cette Mishnah du din de Etnan zona ou mechir kelev. On va voir ça à l'intérieur des psukim. On est dans Parashat Kitetse. Perek, chav, gimel, pasuk, et pasuk, yutet. L'otavi etnan zona ou mechir kelev bet Hashem elokecha lechol neder, ki toavat Hashem elokecha gam shnehem. La Torah me dit, tu n'apporteras pas un etnan zona, un salaire d'une prostituée. On a expliqué dans la Mishnah précédente qu'il ne s'agit pas d'une simple zona, mais plutôt d'une femme qui a un interdit d'aller avec elle. Il faut qu'il y ait un interdit, un issur lav. D'accord? Si c'est une femme Israël, ils ont un rapport et ils lui donnent un mouton, alors il n'aura pas un statut de etnan zona. Il faut qu'il y ait un interdit dans la bia. Avec une femme célibataire, il n'y a pas d'interdit. Si elle est pure, il n'y a pas de problème de nida, et même si elle a la nida, on avait déjà expliqué dans la mission précédente que par rapport à la nida, ça ne s'appelle pas encore un issour bia, mais c'est plus un... Bref, on avait expliqué tout ça dans la mission précédente. En tout cas, donc on n'a pas le droit d'apporter le salaire d'une prostituée, c'est-à-dire si on lui a donné à une zona, on lui a donné un mouton en salaire, alors il est impropre à monter sur le misbéach. Idem aussi pour le mechir kelev. Ou mechir kelev, c'est la contre-valeur du chien. C'est ce qu'on va approfondir dans notre Mishnah. Donc tu n'apporteras pas bet Hashem elokecha le kol neder dans la maison d'Hachem pour accomplir ton vœu. Ça, ce sera expliqué dans la prochaine Mishnah. Qu'est-ce qu'on inclut dans les kol neder. Et la Mishnah, le passage continue en me disant kito avat Hashem elokecha gam shneem, car les deux sont répugnés. Tous les deux, gam shnehem, et du mot shnehem, on apprendra quelque chose à la fin de la Mishnah. Donc on est en fait en train d'apprendre le statut à présent de, après la Mishnah précédente, c'était sur le etnan zona, le salaire de la zona, et puis à présent sur le mechir kelev, et la Mishnah m'enseigne. Ezo mechir kelev, c'est quoi le cas du mechir kelev, de la contre-valeur du chien? A Omer la chavero, celui qui va dire à son prochain, helecha taleze tachat kelevze, cas simple, premièrement. Voilà un mouton à la place de ton chien. C'est-à-dire, toi, tu as un chien, moi j'ai un mouton, et on échange, je te donne mon mouton contre ton chien. Le mouton que je vais te donner, puisqu'il a un statut de khalifé, de mechir kelev, il vient à la place du chien, alors il est impropre à monter sur le misbéach. Ok? Deuxième cas de figure, vechen shne shutafim shechalku. Idem encore pour deux associés qui se sont partagés. Echad natal asara, l'un a pris 10. Vechad natal tisha vakelev. L'un a pris 10 et l'autre a pris 9 plus le chien. Alors la Mishnah m'enseigne, Shekeneged akelev asurim, ceux qui sont dans le camp adverse du chien, ils sont tous interdits. Sheim akelev mutarim. Par contre, ceux qui sont les coéquipiers du chien, alors ils seront permis. C'est-à-dire, on avait deux associés. Il y avait 19 moutons et un chien. Ils sont partagés. Ils ont dit, bon, mouton, mouton, mouton. Ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, on arrive pour le dixième, un mouton et un chien, bah toi tu prends le mouton, moi je prends le chien. Alors toi tu vas prendre le mouton, et puis moi je prends le chien. Il s'avère que le mouton, si, alors si on avait procédé de la sorte en disant, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi. Alors là pour le moment, c'est une situation nette, le mechir kelev c'est que le dixième. C'est-à-dire une fois qu'on est arrivé, il restait là-bas un chien et un mouton, on a partagé, donc là ce mouton-là, c'est la contre-valeur du chien, là il va être interdit. Mais la Michel ne parle pas d'un cas pareil. On ne parle pas d'un cas, on a fait 1 et 1. On a dit depuis le début, bon regarde, il y a 19 viens, on va partager, on va faire un groupe de 10 contre un groupe de 9 plus 1. Et on a partagé. Là, la Mishnah m'enseigne un très grand tridouche, en me disant, mais tu sais quoi? Tous ceux qui vont être dans le camp adverse du chien, ils vont tous être interdits. D'accord? Et tous ceux qui vont être par contre dans le camp du chien, alors ils vont être permis. Pourquoi? C'est normal, parce que c'est à moitié normal. Bien sûr, on va approfondir un peu plus, mais pour le moment, le cas, il est relativement simple. Il y a chaque mouton qui se trouve dans le camp, coéquipier avec le chien. Alors lui, il est venu certainement contre un mouton. Mais tous ceux qui sont dans le camp adverse, alors, ils sont quelque part la contrepartie du groupe où il y a le chien. Voilà
grosso modo ce qu'il y a écrit pour le moment dans la Mishnah. D'accord? La Gemara maintenant pose sur ça une question et donne une réponse. Et sur la question de la Gemara, il y aura une question qu'on approfondira à la fin du jour. Pour le moment, la question, le partenaire est allongé pour apporter ça. La Gemara elle pose la question, elle dit, je ne comprends pas pourquoi tu interdis les 10 moutons. Il n'y a pas de raison. Finalement, je t'ai donné 10, et puis moi j'ai gardé 9 et un chien. Et bien parmi les 10 que tu as, désigne un qui sera lui la contre-valeur du chien, et utilise les 9 autres pour en faire un corban. Comme ça, la Gemara pose la question, la Gemara cautionne la question, et répond qu'effectivement, on parle d'autre chose dans la Mishnah, on parle qu'en réalité, il y avait des moutons qui coûtaient un dinar, et des moutons qui coûtaient un dinar moins une ma'a, un petit quelque chose en plus. Que le chien hein, coûtait, lui, un dinar plus 9 ma'a, c'est-à-dire qu'en réalité, en fait, imagine en fait, c'est comme si on avait 10 moutons à 100 shekels, et 9 moutons à 90 shekels, avec un chien qui va coûter 190. D'accord? C'est un peu le principe qui est écrit. Donc le chien, il va coûter 190. Il s'avère que le chien, il vient compléter les 10 manquants de chacun des moutons. Donc chaque mouton, il est partiellement en contrepartie du chien par rapport aux 10 supplémentaires. Et c'est de ça qu'on parle. Ok? Il y aura une question très forte sur ça, mais on va la laisser très forte, très sur un sujet très connu dans le chasse, qui s'appelle la Souya de Brera, on expliquera ça à la fin du shiur, comme ça, celui qui voudra arrêter la Mishnah à la fin, il aura une Mishnah bien nette, et on continue la Mishnah. Donc on a bien expliqué pendant, c'est quoi Mechir Kelev? Il s'avère qu'on a deux interdits, il y a Etnan Zona, le salaire de la Zona, et Mechir Kelev, la contre-valeur du chien. Alors à présent, la Mishnah maintenant va les croiser en me disant, qu'est-ce qui se passe, il y a Etnan Kelev ou Mechir Zona? Le Etnan, le salaire d'un chien, ou la contre-valeur d'une zona. On explique plus simplement. Etnan, c'est le salaire. Alors, il faut bien différencier. La mechir kelev, c'est le fait qu'on a la contre-valeur contre la chose. Etnan zona, c'est le salaire sur un acte honteux. Bah. Alors maintenant, la Mishnah va parler maintenant du cas où quelqu'un va donner à son voisin un mouton pour qu'il lui laisse avoir un rapport avec son chien. La Mishnah, donc il s'avère que maintenant le mouton, il est venu, pas en contre-valeur du chien, mais en contre-valeur d'un rapport interdit avec un animal. Or, c'est plus le chien, il n'a plus un statut de zona, il y a d'autres interdits, il y a boire et à manger pour tous les gens sales dans la Torah. Il y a des interdits bien définis pour chacun, mais en tout cas, il n'y a plus d'interdit de Etnan Zona. Est-ce qu'il y aura un interdit de Etnan Kelev? Peut-être qu'il va falloir les juxtaposer. Ou idem aussi avec un Mechir Zona, la contre-valeur d'une zona. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, par exemple, il y avait quelqu'un qui a voulu acheter une servante de son prochain, par exemple, en l'achetant pour qu'elle soit chez lui, pour en faire ce qu'il veut. D'accord? Il a donné en contre-valeur un mouton. Donc il a acheté un esclave, une servante avec un mouton, mais en fait, pour en faire du znout. Donc est-ce que maintenant, il s'avère que maintenant, le mouton n'est plus venu contre l'acte ignoble. Mais il est plutôt venu contre la personne. Regardez, c'est là la nuance. Donc il y a Etnan Mekelev ou Mechir Zona. Et bien la Mishnah enseigne que Arelu Mutarin, les deux sont permis. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Shnaim Velo Arba'a, deux et pas quatre. Et je continue tout de suite la Mishnah, parce que tout est déduit du même verset. Vladoten, les enfants maintenant, et les Vladoten Mutarim, les petits du mouton seront permis. C'est-à-dire, lorsque j'ai donné une brebis, par exemple, en Etnan Zona, et que cette brebis, ensuite, elle a mis bas, alors, est-ce que le petit sera, on pourra la porter en corban? La Mishnah enseigne que oui. Pourquoi? Parce que Vladotehem, Mutarim, les Vladot, les petits, ils seront permis. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Hen, eux, Velo Vladoten, et pas les petits. J'explique un peu mieux. En fait, c'est déduit de la fin du passage qu'on avait dit, Kito Avatashem, Elokecha, Gam Shnehem. Gam Shnehem, le mot Shnehem, tout le mot il est en trop. D'accord? Kito Avat Hashem Elokecha, Hem. Fallait dire, les deux, ils sont Toavat Hashem, ils sont répugnés par Hashem. Pourquoi tu me dis, alors le Gam, on l'expliquera peut-être après, je ne l'ai pas encore vu, j'ai la suite du Pérec, mais je n'ai pas vu qu'on a expliqué le Gam, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je crois que je sais ce qu'on a dit. En tout cas, pour le moment, Shnehem, le mot Shnehem, il est en trop. Lui aussi, il fallait écrire M uniquement. Donc Shnehem, on va le traduire comme ça. Shnehem, on va le décomposer. Shnaim, Hem. Shnaim, et pas 4.
Hem et pas autre chose. Shnaim et pas quatre, donc. Etnan zona et mechir kelev, mais tu ne fais pas le etnan kelev et mechir zona, parce que shnaim et pas quatre. Et hem, hem v'lo v'ladotem. Eux et pas les petits. D'accord? Maintenant, on remet le zoom. On a fini la Mishnah. D'accord? Maintenant, on remet le zoom sur le début de la Mishnah, ou le cas plus haut, on avait les deux associés qui se partagent. Et là, Tosot, il pose une question très pertinente. Je reprends le cas. On avait le 10 moutons contre 9 moutons plus un chien. Et la Mishnah, la Gemara, pose la question en disant que si les prix sont équivalents, un mouton contre un mouton, et le prix d'un chien contre un mouton, donc finalement, tu as pris toi les 10 et puis moi j'ai pris 9 plus 1. Pourquoi on va t'interdire les 10? T'as qu'à sortir un et désigner que lui sera la contre-valeur du chien. Voilà la question de la Gemara, et la Gemara cautionne. La question est, et répond autrement en disant qu'on parle d'un cas un peu différent. Donc la Gemara, elle pose une question, parce que ben, maître, ça doit être comme ça, que tu vas désigner un. Tout ça, tu poses la question, je ne comprends pas, ça veut dire quoi que tu vas désigner un? On a déjà fait le partage. Et lorsqu'on a fait le partage, on n'a pas désigné. Et si on n'a pas désigné, alors on ne sait pas c'est qui est la contre-valeur. Tu vas désigner un, mais peut-être que c'était son copain. Imaginez que, ouais, vous avez 10 animaux interdits. Et je dis, bon, il y en a un qui va devenir interdit. Qui? Ah, tu sais pas? Ben, il faut interdire les 10. Il n'y a pas de Bitolberov, ça c'est un problème de cavoua. On va pas trop truc s'impoler, mais en tout cas, il y en a un qui est interdit. Mais ça veut dire quoi que, ça veut dire quoi que tu vas désigner un? Ça n'a pas de sens. Comment ça? Au moment où ça a été interdit, tu sais pas c'est qui, c'est-à-dire que tu désignes. Et peut-être c'était son copain. Imaginez que je vous ai donné un mouton en Etnan Zona ou Mechir Kelev. Je vous ai donné un mouton, puis finalement ce mouton, vous l'utilisez en Corban, et dire, bon, tu sais quoi, viens, on va prendre un autre mouton. Toi, le mouton, là, tu vas être le Etnan Zona, Mechir Kelev à la place de lui, et lui, je l'apporte en Corban. Ça n'existe pas de faire un truc pareil. On ne peut pas transférer la Gdusha ou la Touma du Etnan Zona ou du Mechir Kelev. Celui qui est interdit, il est interdit, celui qui est pas interdit. Donc ça veut dire quoi maintenant que tu vas désigner un? Question très pertinente. En réalité, la question est encore plus profonde. Elle touche à un sujet général du chasse qui s'appelle Yesh Brera ou En Brera. Un sujet vaste au possible. C'est vraiment compliqué de trouver exactement le chemin. Qu'est-ce qu'on inclut dans ce principe de Brera? Le principe de Brera, c'est livror, ça veut dire trier, choisir ensuite. C'est-à-dire, ça concerne en réalité toutes sortes de choses que il va y avoir pour le moment un interdit vaste, qu'après on va désigner. On va le fixer sur un en disant que du ciel, c'était prévu que ça allait être lui. Je m'explique, ça peut toucher par exemple à la fracha tourmot ou maasrot. On parle d'un cas pareil, par exemple, où je vais prendre j'ai des fruits, j'ai 100 pommes qui sont pour le moment tevel, je dois prélever une trouma, on va s'arrêter à la trouma par exemple. Et bien je vais dire, la dernière pomme qui restera une fois que j'aurai fini de manger, ce sera elle la trouma. Donc maintenant regardez, je commence à manger, et je mange une. Donc elle, ce ne sera pas la dernière. Est-ce que je peux faire une chose pareille? C'est-à-dire, au moment où je prononce la dernière, je ne sais pas qui sera la dernière. Peut-être que je vais manger toute celle du bas et celle du haut, elle va tomber. Et c'est elle qui va rester. Peut-être ça va être celle qui va être tout en bas, à droite, à gauche. Comment tu... Il y a un avis qui pense que Yesh Brera, que ça existe, de désigner comme ça une trauma de la sorte. En disant, c'est pas grave. Du ciel, on sait qui sera la dernière pomme. Eh bien, depuis le début, c'est elle qui a été Gdosha. Donc, de ce fait, même si moi, pour le moment, je ne sais pas, j'ai toutes les éventualités devant moi. Je peux prendre celle-ci comme ça, là. Malgré tout, le ciel, c'est une grande question très profonde, mais en tout cas, la Yediyat Hashem, peu importe. Il y a le fait que, maintenant, du ciel, on sait très bien si ça va être laquelle, finalement. Une fois que je vais... Ouais, il n'y a pas de temps devant Hashem. C'est une notion un peu délicate, mais en tout cas, il s'avère que maintenant, la pomme qui va rester à la fin, elle est déjà désignée du ciel. Est-ce que je peux utiliser cet état-là, le fait qu'il va rester quelque chose à la fin? En disant, depuis le début, elle existe déjà. Donc si elle existe, elle est déjà désignée, même si moi je ne sais pas et j'ai toutes les options devant moi. Est-ce que je peux la désigner comme ça? Et c'est une marque locale sur ça. C'est un sujet très vaste qui s'appelle est-ce que Yesh Brera, ça existe de désigner de la sorte en étant Borer ensuite qui sera, ou bien En Brera, tu dois fixer les choses depuis tout de suite. Désigne celle de gauche, celle de droite, celle du haut, du bas, en tout cas. Et de ce fait, maintenant, Tosot, ils aiguisent la question en disant, mais ça veut dire quoi que tu vas désigner ensuite? Ça signifie qu'au début, il y a un din appliqué, mais il y a une halot din, il y en a eu un qui est interdit, mais qui n'est pas encore défini, et que plus tard, tu vas le définir en disant que c'était lui depuis le début, rétroactivement. Ça, c'est Yesh Brera, et on tient dans la Torah que En Brera, pour tout ce qui touche aux interdits de la Torah. Dans le Rabbanan, oui, dans le Rabbanan, non. Tu souhaites répondre, en donnant quelque chose de compliqué à comprendre, en tout cas, je répète les mots, et puis on s'arrête là. C'est que quelque chose...
L'interdit de Brera, il est uniquement lorsqu'il y a quelque chose qui est initialement défini, qui se mélange, et qu'après on va vouloir le retirer en disant que celui que j'ai retiré ensuite, c'était lui le premier. Mais quelque chose que depuis le début, on a les 10 moutons qui sont là. Pour le moment, les 10 moutons, ils sont aptes à devenir un corban. Il y en a un qui devient interdit, qu'on ne sait pas qui il sera. Dans un cas pareil, alors ça existe, Bémet, qu'on tiendra pour la lara que Yesh Brera, que celui que je désignerai à la fin, ce soit lui qui était depuis le début. Notion délicate, je me suis juste contenté de répéter ce qui est écrit dans le Tosfot, rapporté dans le Tosfot Yom Tov. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sacha Kol Tov. Salam.